Non! Non! Salut YouTube et bienvenue sur ce let's play de Rec Paroxysme, un jeu d'horreur qui se passe dans un immeuble abandonné jusqu'à ce que nous fassions très vite une mauvaise rencontre. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus et à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu en commentaire. Et si vous aimez le contenu horrifique, n'oubliez pas de vous abonner et à me rejoindre sur Twitch pour découvrir ensemble des nouveaux jeux d'horreur. Merci pour vos visionnages. Une nuit, dans une ville sombre et lugubre, en tant que loup solitaire dans le monde de la diffusion sur internet, je suis sur la piste d'une histoire d'horreur. Putain, ça pourrait être moi. Je suis quelqu'un qui s'aventure audacieusement dans des lieux sombres et mystérieux pour attirer des vues sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus effrayantes que d'habitude. J'ai entendu des rumeurs sur des événements effrayants se produisant dans un immeuble. Les gens ont dû quitter les lieux à cause de cela. Les résidents parlent de bruits étranges, d'ombres et même de fantômes là-bas. Merci Amandine et Alex pour vos follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Hello les arrivants. J'ai toujours en tête un jour de peut-être faire un petit peu de d'urbex les amis. Hein. Je vous en avais parlé il y a très longtemps au début de la chaîne. Alors je changerai pas, hein, je ferai toujours ça, j'aime trop faire les live horreurs avec vous. Mais des petits vendredis soirs comme ça de temps en temps, ça pourrait être drôle. Des petits urbex en live avec vous. Merci Zalizax pour le follow. Bienvenue à la commu. Mais ouais, je suis sûr que ce serait trop cool. On peut zoomer? On peut zoomer. Attendez. C'est ça cet immeuble qui est hanté? Mais non, tout va bien. Allez à l'appartement au bout de la rue et entrez dans le logement numéro 10. Ouais, l'urbex, c'est cool. J'en ai déjà fait en plus. Et j'avais adoré. Par contre, le jeu a l'air trop beau, les amis. Oh, le jeu a l'air trop beau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pour ceux qui connaissent bien tous les jeux d'horreur. Mais j'ai. Pourtant, ça ressemble pas. Mais ça me fait penser à Welcome to Noloun. C'est peut-être les éclairages comme ça de lumière et le côté assez réaliste. Dans la rue dehors. Qui était un super jeu d'horreur qu'on a fait il y a plus d'un an, on le refera de toute façon, ce jeu. J'ai essayé d'avancer là, on pouvait pas visiter là. C'est le vent, vous inquiétez pas. Hello les arrivants. Ah vous avez vu, je crois que le temps il passe en temps réel tout à l'heure. Les 11 minutes, ça fait 11 minutes déjà qu'on a lancé. Ah, c'est quoi? Mais attendez, c'est quoi? Ah non, mais c'est un tuyau, j'ai cru que c'était un cocon de papillon énorme. Au secours, quoi. Non, non, c'est des tuyaux. Qui sont comme ça. Lumière qui clignote, ça veut dire quoi? Ça veut dire problème. Ça veut dire jumpscare. Ça veut dire ça craint. Oh, y'a un truc qui m'a poussé ou quoi? C'est rien, c'est l'ampoule qui est cassée. Bah voyons, elle va péter juste quand j'ai passé dessous. Attendez, je vérifie juste que j'ai bien le son à fond la caisse parce que je veux bien sursauter si y a des jumpscares, c'est le but, sinon c'est pas drôle. Est-ce que j'augmenterai pas légèrement le son, les amis? Comme ça, je suis pas le seul à... Attendez, je peux l'augmenter un tout petit peu? Non, il est au maximum, ça va, vous avez de la chance. Merci Mike pour le follow. Bienvenue à la commu. J'adore l'orage aussi, Sabrina, comme vous le savez. Ça va être là, l'entrée, non? Attendez, on va juste regarder ce qu'il y a un peu là-bas. On dirait qu'il y a un truc ouvert. C'est pas grave, c'est la plomberie qui saute, c'est normal avec l'humidité. C'est normal. C'est quoi cette saloperie par terre? C'est quoi? Je vois pas ce que c'est.
C'est peut-être là l'entrée. Ils avaient dit tout au bout. Hein. Ils avaient dit maison numéro 10. Je crois que c'est ça. Hein. Appartement numéro 10, je crois. Il faudrait une petite... Je pense qu'on va avoir un mode ultraviolet. Entrer dans le logement numéro 10. Parce que là, on voit rien. C'est le 2. Ok, 1, 2, 3. Donc ça veut dire que ça sera au quatrième étage. Et où les arrivants? 5, 6. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un en bas qui nous regarde bizarrement. Ça va être le 7, 8, 9. Salut Potiron, ça va? Ça va être là. Bah on peut pas rentrer. Ils avaient dit le 10, hein. Faut que je sonne. Oh putain, je crois que j'essaie de forcer le... Ouais, le jeu est magnifique. On peut regarder par le judas à l'envers. J'arrive pas à rentrer, les amis. C'était l'autre bâtiment ? Je me suis trompé de bâtiment, vous pensez? C'est bizarre. On va essayer l'autre bâtiment, ok. Essayons le bâtiment d'à côté. Mais vu qu'ils nous ont laissé entrer dans celui-là. Oui, alors je vous le dis, hein, moi j'ai vu la tronche hein, de, sur la photo du jeu, au secours. Hein. Accrochez-vous. Hein. Mamie, elle va faire peur. Ouais, moi aussi je pense que c'est ici Ali, mais on va quand même regarder à côté pour être sûr. Mais c'est bizarre, la porte s'ouvre pas, donc je vois pas ce que je peux faire d'autre. Fallait peut-être trouver la clé, non? Faut peut-être que je trouve la clé dans le pot de fleurs, j'en sais rien, ça nous l'a pas marqué dans l'émission. Pas de document trouvé. On peut pas rentrer, non c'est bien coté. Je me demande s'il y a pas une clé à trouver. Hein. J'aurais dû commencer. Je pense qu'il faut continuer à monter, non? Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le petit chat. Il y a un truc à ramasser par là. On dirait qu'il y a une hache là-bas, vous avez vu? Regardez. Ah non, c'est une poignée, n'importe quoi. On va peut-être le paillasson, ouais. Je pense que c'est un truc du genre. Salut Yo, coucou les arrivants. 6... 7, 8, 9. Il n'y a pas de paillasson, il n'y a rien. Bizarre. On va regarder un peu en haut. Je comprends pas pourquoi je peux pas rentrer. Onze, douze, treize. Ils avaient bien dit le numéro 10. Ou alors il y a eu un problème de trad. Ils avaient dit l'appartement numéro 10. Ah regardez. Parfait. Je sentais qu'il y avait à avoir une histoire de clé. Ok. Ça c'est pour la 13. Non ça va être pour la 10. Non c'est bon. Il l'avait planqué un petit peu au-dessus. Pas d'électricité. On garde la porte ouverte, ok. La musique.
Placez votre sac dans le salon et prenez vos affaires. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh non c'est pas possible ça. Non mais encore l'autre, je m'en fous, mais ça c'est quoi cette horreur? Il y a la bière au concombre de Miyako. Merci Xachio pour le follow sur Twitch. Bienvenue à Comi. Pour rappel, je vous fais gagner Morture Assistant. Il vous suffit de taper point d'exclamation mamie dans le chat Twitch, les amis. On fera le tirage au sort à la fin du jeu. Et les amis TikTok, je compte sur vous. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à utiliser les petits diamants verts. Ces petits diamants verts que vous avez en haut à gauche. Vous cliquez sur le bouton partager, utilisez point de chaîne et ça aide vraiment la chaîne. Si vous aimez le contenu et l'horreur, faut pas hésiter. Et bienvenue à vous. Ok, là c'est le début. Attendez, on va allumer, on va regarder tout ce qu'il y a dans l'appart, ok? On va poser notre sac, on regarde juste ce qu'il y a. Oh mon dieu, le rideau il est pas ouvert. Pourquoi il est pas ouvert le rideau de douche? Ah, mais c'est dégueulasse! C'est quoi? L'eau du bain elle est noire. Elle est marron. Oh, il y a un couteau. On dirait une épée tellement il est grand. C'est l'épée de Zelda. Il n'y a rien au frigo. Le pain, il doit être assis. Je vous explique même pas comment. On va poser notre sac à dos. Et ça, on n'a pas regardé ce que c'est. Oh mon dieu, c'est la chambre de la grand-mère. Oh, c'est ça. On peut pas voir ce qu'il y a dedans, ça a pété. On rentre pas, hein. Si on n'a pas la lumière, on rentre pas. Et là, c'est quoi? Il y a aussi autre chose. Non, mais on voit rien! Attendez, vous savez. Aïe, putain, je choque frontal, je me suis pris la porte dans la gueule. Non, je vais arrêter, je vais prendre, sortir mes affaires. Je pense qu'ils vont me donner une lampe de torche parce qu'on voit rien là. Placez le capteur de mouvement devant l'entrée principale. Oh non, ça va sonner. On sera pas là. Ça, on les voit pas mal dans les enquêtes paranormales. Vous savez, quand on passe à côté, ça fait un bruit qui fait bien flipper. Devant l'entrée. Donc, par là. Là. Ok, c'est fait. Utilisez le détecteur EMF pour détecter une anomalie de niveau 5. Est-ce que je suis seul ce soir ici? Si une présence est avec moi... Approchez-vous du... Oh! Si vous êtes gentil, approchez-vous, sinon cassez-vous. C'est derrière, on dirait là. Je pense qu'il va falloir un pied de bûche pour ça. Ouais, j'avoue, là, on est en mode enquête. Ok, on est à 4 niveaux. Oh mon dieu, on paraît que c'est là où il y a... Non. Là, on dirait qu'on peut passer derrière, mais... Oh, ça s'est arrêté d'un coup. Ça s'est arrêté d'un coup, c'est bizarre, non? Ça s'est arrêté d'un coup, ça veut dire quoi? C'était à 4. Il a changé de pièce. Vous êtes dans les WC. Attendez, j'ai pas un truc pour mettre la lumière là. J'ai rien pour mettre la lumière, bordel. J'ai pas un truc pour la lumière, sérieusement, je fais comment? J'ai rien. J'ai un char de poule de partout là, je sais pas où je me repère, je sais pas où je vais. Je sais juste que le machin il monte en pression là. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est une salle pour... Mais attendez, on est où là?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce masque? Comment je suis venu là? J'arrive plus à me barrer. Mais je suis passé où? Ah. J'ai suivi le mur de droite, ok. Ah, c'est le détecteur. Attendez, c'est moi, on est à côté de l'entrée. C'est moi, c'est le détecteur, c'est bon. C'est bon. Il y avait un masque chelou qu'on a vu, non? C'était quoi ce muscle qu'on avait vu? Ce masque, pas ce muscle. Ça, c'est moi. Tout est normal. Pas de stress. On était là tout à l'heure. Il y avait un truc chelou. Hein. Là ou là, il y avait un truc chelou. Il y avait un masque avec du sang. On aurait dit. La TV ne fonctionne pas. Effectuez le rituel d'invocation ici. What? On cherche la merde après, hein. J'ai envie de dire, on le mérite un peu. On cherche, on est d'accord. Hein. Pas la déco là, non. Ok. Merci Gaïa pour le follow. Bienvenue à la commu. On va prendre un couteau, non? Un atamé, je pense. Les allumettes. Ok. Je pensais qu'elles étaient déjà en route, les bougies, mais... Ouais, vous pouvez garder mortuaire assistant. Vous pouvez gagner mortuaire assistant, les amis. Il vous suffit de faire point d'exclamation mamie dans le chat Twitch. On fera le tirage au sort à la fin du jeu. Et la Bible. Si tu crois que c'est la Bible qui va te protéger, mon pauvre, c'est que t'as pas bien vu l'exorciste. Hein. Ni l'exorcisme d'Emily Rose. Merci Paddington également. Créateur des cieux et de la terre, Seigneur des êtres sacrés et de tous les esprits. Nous avons compte ton saint nom dans ce rituel. C'est bien, je dis ça haute voix chaque fois chez moi, puis il n'y a pas du tout des trucs bizarres qui se passent. Toi qui établis l'équilibre entre lumière et obscurité, gardien des secrets de la vie et de la mort, nous t'honorons. Oh mon Dieu, la lumière vient de s'éteindre. Nous rassemblons ici pour atteindre la lumière divine. Purifie nos âmes et ouvre nos cœurs, afin que nous puissions entendre tes paroles sacrées. Que les portes des cieux s'ouvrent et que les sources infinies de lumière coulent vers nous. Oh, la voix, elle change, les amis. Ô puissant, guide-nous dans les temps d'obscurité. Éclaire-nous de la lumière afin que nous puissions trouver notre chemin. Nous ouvrons nos âmes à ton amour, permettant d'être remplis de sagesse divine. Avec les mots écrits dans ce texte sacré, nous consacrons nos âmes et nos corps à ton pouvoir suprême. Qu'est-ce qu'on fout là encore?
Ah putain, il y a quelqu'un. Oh mon dieu, il y a des quinquins. Il y a des gens. Merci Brit pour follow sur Twitch. C'est quoi? C'est moi ou il y a des gens qui sont Ils sont tous écorchés vifs, on dirait. Maudit. C'est vrai, Brit. Ben, ça vient, venu, on fait que l'horreur ici en mode good vibe tous les soirs. Merci à toi pour ta présence. Et on fait, c'est chaque semaine, je vous fais gagner des jeux d'horreur, les amis. Là, c'est Mortuaire Assistant. Faut pas hésiter à taper point d'exclamation mamie dans le chat. Merci à Jean pour follow. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On a fait le rituel. On s'est retrouvé dans une autre réalité. Et on a vu, on va vite le regretter. Merci Sloppy également pour follow. Bienvenue à la commu. Il faut qu'on aille vérifier les chiottes et les frigos. C'est la priorité. Peut-être que la mamie elle a refait plein de bière dans le frigo. Non, dommage. Attendez, on avait un objectif qui était écrit, je crois pas. Hein. Est-ce que la... C'est moi. Est-ce que la porte ouvre? Ok, la porte d'entrée elle est encore ouverte. On peut encore se barrer si jamais ça tourne mal. Là y a rien. Ça a juste dit qu'on était maudits. Ça, on le savait, avec ce qu'on faisait. Merci Bibi également pour follow. Bienvenue à Commu. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est là, souvenez-vous les amis, ça a pété la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est forcément, il va se passer un truc ici. Il y a un truc à aller voir, sauf qu'on n'a pas moyen d'activer le mode nuit. Pour la caméra. Ah putain, je peux allumer ici, ok. Ça, on y était tout à l'heure. Non mais regardez-moi ça, c'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? On se croyait dans Massacre à la tronçonneuse. Vous avez vu la tête du truc? On dirait Leatherface. C'est bizarre, non? En plus, regardez, ça a arraché juste avant d'aller là. Mais là, il n'y a pas de lumière, donc... Attendez. Un visage de power, on aurait dit ça, monstru. Après, la lumière, elle clignote dans la cuisine. Donc, comme vous le savez, à chaque fois que ça clignote, en général, c'est qu'il y a un truc... Elle veut qu'on fasse la vaisselle, mamie? Sur le tapis? Non, je crois qu'il n'y avait rien, hein. Ah, ça a moisi depuis je sais pas combien de temps. Non, y'a rien là. Pas un truc à faire avec la poupée ou j'en sais rien. Y'a pas de notes. Ils ont pas donné de nouvel objectif en fait. On se barre, vous pensez? Faut peut-être qu'on se barre, non? Ah putain, c'est là, regardez. C'est le balcon. J'avais pas vu qu'il y avait une sorte de balcon derrière qui clignotait. Cherchez pas, c'est là. Ah ! Oh putain ! On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans une merde. Elle va mourir ou pas? Je ferme la porte, c'est le réflexe, je ferme la porte et je me fous à quatre pattes. Oh mon dieu, elle a l'air trop flippante, les amis. Vous avez vu comme elle a avancé à fond? Elle était toute calme, avancée d'un coup. Merci Warwick pour les bits.
Moi, là, j'aurais bien pris mon sac et je me serais bien barré, je sais pas vous, mais... J'ai peur... Vous pensez que c'est ouvert encore, la porte d'entrée? Putain, c'est moi. Oh mon dieu, quelle horreur, mais quelle horreur. Merci Golden Eye pour le follow. Vous l'avez entendu courir comme une folle. Mais ça, en plus, vous avez vu comment elle court. Une mamie, ça court pas aussi vite, c'est qu'elle est possédée. Elle a couru, mais comme une tarée dans l'escalier, quoi. J'ai pu fermer la porte d'entrée. Le problème, c'est qu'on est enfermé à l'intérieur, maintenant. Je sais pas si c'est pas plus con, ce que j'ai fait. J'ai la chair de poule de partout, je vous jure, j'ai trop peur d'avancer. It's too late, Abby. On fait quoi? On va où à votre avis? Dans la chambre. Je sais pas où aller. La porte d'entrée. Les chiottes. On vérifie les chiottes, les amis. Réunion de crise. On fait une réunion de crise dans les... Oh mon dieu, c'est quoi? Il y a un drap blanc là-bas. Ah non, mais c'est le truc dégueulasse qu'on a vu. C'est là. Regardez, l'assiette, elle est par terre. Elle était pas là. Elle était pas par terre, cette assiette. Après, le couteau est encore là. Il y avait pas de couteau? Il y avait pas de couteau, les amis? Il y avait le gros couteau, il y en avait un autre. Il y en avait pas un autre? Je vous avais dit qu'il y avait un autre couteau. Je vous avais dit qu'il y avait un autre couteau. Quittez l'appartement. On va jamais le quitter en vie. On va jamais le quitter en vie, c'est pas possible. Je vois juste si mamie, elle était là. C'est quoi? Elle a tapé sur la porte? On avance quand même? Je peux pas. Oh putain, on est bloqué à l'intérieur. Je vous avais dit que c'était une connerie de fermer cette porte. Oh! Ça a changé. Vous l'avez vu à travers la lumière. Merci Tina, Lulu et Captain Gougoud pour vos follow. Et vos remédia. Merci la petite pain pour les 100 bits. Coucou les arrivants. Désolé, mais je suis terrifié là. Oh mon dieu. Je suis désolé, j'en peux plus là. Je suis au bout de ma vie. Oh putain. On peut pas sortir encore.
Putain, et ce putain de truc qui bip à chaque fois là. On prend notre sac et on se barre, on essaye, il n'y a plus de lumière là-bas. Rallumer. Oh putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle est derrière. Elle est derrière la porte, au secours. Attendez, on va allumer la lumière. On saute par la fenêtre. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on peut pas sauter par la fenêtre. On peut pas. Il y a rien d'autre par la fenêtre là. Il y a pas quelqu'un d'autre en bas? Non, putain. Faut qu'on aille la voir, je crois. On n'a pas le choix. Hein. On peut parler peut-être? Non? Je viens en paix. C'est que là c'est dans le noir, je trouve ça bizarre que cette salle elle reste dans le noir, je trouve ça vraiment chelou. Il y a un truc avec ce placard, je sais pas quoi, mais je vois pas ce qu'on peut faire hein, à part se barrer, essayer de se barrer, mais on... la porte ne s'ouvre pas. Le sac, je pouvais rien faire, j'ai pas essayé de cliquer sur elle, mais je le sens pas trop. La télé, on lui met un feuilleton. Non. Les feux de l'amour, ça vous va? Je peux pas les amis, je peux rien faire. Vous savez que je passe de soi à quatre pattes? Non. Non, il y a autre chose à faire. Moi je me demande si c'est pas dans la cuisine parce que c'est là où elle a envoyé valdinguer toutes les assiettes. Je me dis c'est bizarre. Oh mon dieu, ils vont pas mettre un vieux disque tourné là avec leur xylophone. Le livre, je peux rien faire, je regarde le livre aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il faudrait un pied de biche, un pied de bûche. J'ai les poils qui sont hérissés de partout là. Je peux pas prendre le couteau, il y a pas de pied de bûche ici. Il y a le débouche chiotte. Merde. Je prends le machin, je le fous dans la tête. Ça va peut-être la repousser, non? Je vais me faire karma encore comme d'hab. Faut pas que je me moque d'elle. Il y a pas de pied de bûche ou quoi que ce soit les amis. On va retourner la voir hein. J'aurais bien aimé prendre le couteau quand même. Le drap avec la tête? Ah mais c'est l'enfer le drap avec la tête. Oui je suis là, ouais, le drap avec la tête, on va aller voir. Les Orface? On lui donne du pain? On lui fait du pain perdu? Si elle pouvait se perdre en même temps que le pain perdu, ça nous ferait des vacances. Non mais ça c'est pas possible, vous avez vu ce machin? Non y a rien à faire là. Là, je le sens pas trop ici, dans ce placard de l'enfer où c'est tout noir. Regardez, ça clignote encore. Je pense qu'il y a un autre truc à faire dans la cuisine, ça clignote encore un peu la lumière. Même là, vous allez me dire. Je pense que ce qui serait logique, c'est de trouver un pied de bûche pour enlever les planches. Mais faut le faire pour de là, enlever les planches devant elle pour aller la retrouver, faut vraiment avoir envie, quoi. Faut vraiment avoir envie de chercher la merde, quoi. Peut-être, ouais, si je me dis, faut peut-être voir mamie, mais je regarde juste s'il y a bien rien ici. Non. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est de la paille ou je sais pas quoi. Merci Neira pour Flo. Bien la commu. Mamie, je trouve pas le pied de bûche, vous l'avez rangé où?
crois pas. Hein. Ah, attendez. Oh, regardez. Il y a un indice. C'est les chiottes. Les chiottes plus la tête de mort égale une clé. On va aller voir dans les toilettes. La tête de mort, je sais pas ce que c'est encore. Mais ah, ça va être la tête de mort. Ce serait pas ça. Ce qu'il y a au fond, là-bas. Il y a un truc à ramasser dans les toilettes. Ah, ah non, en plus, c'est dégueulasse. Ah, mais non, mais il y a une tête de mort dans les chiottes. On a les clés. Pensez qu'on peut se barrer, c'est les clés d'appart. Qu'est-ce qu'on fait? En 1, on va voir la grand-mère. En 2, on essaye de partir. On va à la porte de sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi dans le chat. 1 ou 2. 1, on va voir si la grand-mère est encore là. 2, on va à la porte de sortie. C'est un peu 50-50, Jean-Pierre. C'est un peu serré. Hein. On regarde juste de loin, ok? Elle est encore là. Merci Milo pour le sub sur TikTok. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup pour ton soutien. Et merci Nato pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Les amis, je rappelle qu'à la fin du jeu, on fera le tirage au sort pour un code Steam pour Mortuary Assistant. Il vous suffit de taper point d'exclamation mamie dans le chat. Dans le chat Twitch, évidemment. Merci Jugum pour le follow. Ok. Elle est encore là-bas. Je voulais au moins voir si elle était encore là. Non, mais fallait pas rêver. Fallait pas rêver. Ça marche pas. Ça va être pour autre chose. Alors, pas de spoil. Hein. Merci Ezzy et Jaden pour vos follow. On peut pas, les amis. Ça marche pas. Ok, y'a quoi comme porte qu'on n'a pas ouvert? Qui a besoin d'une clé? Qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert et qui a besoin d'une clé? Merci Alpha également pour follow. Bien commu. Ça a été trop facile. Vous pensez qu'on va en sortir vivant? Alors comme d'hab, pas de spoil, hein. C'est, tant mieux si vous connaissez le jeu les amis. Gâchez pas le plaisir des gens qui découvrent avec moi. Là y'a rien. La lumière elle s'est éteinte. Alors attendez, on a un truc à faire ici. Ok, c'est ça. Merci Charline également pour Flo. Bienvenue à la commune. Oh mon dieu, on a enfin la lampe de torche. Regardez. On va pouvoir aller dans le placard où on voyait pas. Attendez, j'ai entendu faire quelque chose à la porte, non? Alors, soit il y a quelqu'un qui force la porte d'entrée, elle est plus devant. Elle est plus devant, les amis. Soit il y a un truc dans un placard. Oh putain, c'est le placard, les amis. C'est là où on pouvait pas aller. Je suis sûr que ça vient de là, le bruit. Oh putain, le courant ça se remet pas les amis, même en... Mais attendez... Non, je peux pas regarder par le jeu, j'en peux plus là des frissons. Merci Migrelis pour le follow. Coucou les arrivants. C'est quoi un chapelet? Verrouillé. Il répond au téléphone, hein, il arrête pas de sonner. J'arrive plus à remettre le courant en fait. Pleurez pas madame, moi j'y suis pour rien. Hein. Ah mon dieu, elle était là, la moonwalk. Vous l'avez vu moonwalk ou pas? Il y a plus de drap, elle a moonwalk. Vous l'avez vu moonwalk les amis? Elle était là. Elle était là, elle a moonwalk dedans. Le drap blanc avec le visage?
Le drap blanc avec le visage appuyé. Oh putain, on peut passer là. Attendez, on va aller voir. On ouvre. Elle est dans les chiottes. On ouvre. Peut-être qu'il faut l'aider. On peut pas ouvrir. Oh merde, elle a ouvert la porte, les amis. Elle a ouvert la porte. Vous me dites le drap blanc, là il y est. Non, il y est encore, regardez. Il y est le super visage magnifique avec le drap blanc. C'est occupé. Barre-toi d'ici. Oh mon dieu, il y a une main coupée. What the fuck. Oh, cette fois, il y a quelqu'un derrière les rideaux, les amis. Il y a quelqu'un derrière les rideaux. Il y a quelqu'un derrière le rideau. Je peux pas sortir. Il y a rien. Il y a que le rideau. Je te vois. Oh non, me dites pas qu'elle est suspendue au plafond. Oh non, par pitié. Pas au plafond. Non, mais vous êtes fou. Vous êtes fou de me dire des trucs comme ça. C'est déjà pas assez flippant, le jeu. Putain, je vais fermer, je vais ouvrir, elle va apparaître. Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est ton dernier avertissement. Mais je veux bien, mais la porte elle est bloquée, c'est pas de ma faute. Il t'observe. Putain, ça se trouve, elle est pas méchante, les amis. Il t'observe au pluriel. Il doit y avoir d'autres entités. Le miroir ? Mourir étouffé, vous allez voir. Hello les arrivants. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un code Steam pour Mortuaire Assistant qui a gagné ce soir sur Twitch. Merci pour vos follow aussi les amis TikTok et YouTube. Faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur Twitch, vous aurez une meilleure qualité. Vous pourrez participer au giveaway. Il vous suffit de taper dans le chat Twitch !mamie, vous avez jusqu'à la fin du jeu pour le faire. Merci Kinder Pingui. Oh mon dieu, ça me donne faim. Bienvenue dans la commu. On est où là? On est arrivé dans les sous-sols. Pourtant, il y a toujours les vieilles tapisseries. Cette porte qu'il faut prendre. Ah, il y a deux portes, on fait quoi les amis? Je pense qu'il n'y en a qu'une qu'on peut prendre. Merci Pinogger pour follow bien la commune. Salut Panda, coucou les arrivants. Bon, c'est pas celle-là.
J'avais une chance sur deux, j'ai pris la mauvaise porte. Oh non, non mais ça va pas me remettre ici, moi je vais pas tenir. C'est bon. C'est la porte. C'est la clé de l'entrée. Je pense que c'est la clé de l'entrée. C'est la clé de l'entrée. C'est pas la clé de l'entrée. C'est pas la clé de l'entrée. Je comprends pas le jeu, il est censé durer 30 minutes, on est déjà bientôt à 1 heure. Pourquoi je mets autant de temps? Ils ont rajouté 30 minutes de plus spécial Kenro pour qu'il fasse une crise cardiaque en direct. Oh, c'est là, c'était verrouillé. Ouais, c'est ça, vous avez raison dans le chat. Ouais, Nanouche Cobra. Bien vu, j'avais oublié. Je savais pas si je prenais la masse ou la lettre d'abord. On prend d'abord la masse. Oh, merci Nubia pour les 4 mois de sub. Merci infiniment pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Vous n'êtes pas seul dans cette maison. La femme, vous la cherchez, n'est-ce pas? Si vous voulez la trouver, écoutez attentivement. N'avez-vous pas entendu ses cris? Il résonne derrière les murs. Son sang décore encore les murs. Je l'ai placé là de mes propres mains, juste devant vos yeux, là où nous cachons tous nos secrets. Continuez à vous cacher, mais rappelez-vous, chaque mur a un secret. Bah, je pense que c'est là où il y a les... C'est les mini-démons. C'est là où il y a les planches, non? Non mais c'est Eni, je savais pas si c'était Eni. Tu crois avant moi? Ou alors il faut casser un... Il y a un mur à casser. Mais on va déjà commencer par regarder ça. Chaque mur cache des secrets. On peut pas foutre un coup de masse sur ça. Il y a tous les cachets. Ah, c'est quoi dessus? C'est un chien mort? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hachoir? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, faut qu'on trouve un truc à casser, je pense. Là. C'est céréal, ça. Vous avez la canne rouille, c'est pas mal, ça. Oh non, la pauvre, elle était emmurée vivante. Si cette note tombe entre les mains de quelqu'un, faites-leur savoir qu'ils n'ont pas libéré l'esprit de la femme. Au lieu de cela, ils ont maudit son âme sur eux-mêmes. Maintenant, son cauchemar sera votre réalité. Il n'y a pas d'échappatoire. Putain, on aurait dû la laisser dans la merde. Attends, fais-moi une place. Voilà. Chut. On est bien là, hein? Je serais prêt à me caler contre un cadavre plutôt que de voir la mamie. Merci Mélissa pour le follow. Bienvenue à la commu. Merci à Kamaliati également. Bon, notre sac, on s'en fout en vrai. Moi, j'en... Le problème, c'est qu'on n'a pas la porte pour la clé pour la porte d'entrée. Hein. Donc, il y a forcément un autre truc à faire encore. Oh mon dieu, elle me suit des yeux? Non, elle me suit pas des yeux, la poupée. Oh, c'est ouvert! C'est ouvert, les amis! Ça pue le piège, non? C'est moi ou ça pue le piège? Peu, hein. Je suis d'accord. Elle va nous attendre en bas. Elle va nous arracher la tête quand on va passer la porte de sortie, vous allez voir. Mais attendez, on n'est pas beaucoup plus haut. Pour moi, on est beaucoup plus haut que ce qu'on était. On était au deuxième, les amis. On est beaucoup plus qu'au deuxième, là, non? Non? Non, c'est peut-être moins... Ah, mais non, on était...
Je confonds avec le jeu de tout à l'heure, on était à l'appartement 10, donc c'est ça. À votre... Qui pense que c'est fini, on a gagné? Alors pas de spoil, comme d'hab, hein, je parle à ceux qui connaissent pas le jeu. Qui pense que c'est fini, on a gagné? Mettez un dans le chat, et deux pour ceux qui pensent qu'elle va arriver vers une course-poursuite. Moi je vous dis, ça sent la course-poursuite, je le sens. Merci Nazareoth pour le follow. Bienvenue à la commu. On est d'accord. Faut pas rêver. Hein. Oh, je la vois. Oh, je la vois. Oh, je la vois. Ouais, je demande que ça, prendre un petit tube avec un bon plat, mais le problème, il était pourri, son plat. Salut Aurore, ça va et toi? Ah, oh, c'est l'angoisse. Elle me fixe. Les amis, elle me fixe, elle est en face, elle bouge pas, elle me fixe. Y'a pas un échappatoire par là? On peut pas sauter par-dessus? Mais ça saute, franchement ça se saute, hein. Je suis désolé, mais là on passe par le grillage et ça se saute, non? Merci Dralik pour le follow. Bienvenue à la commu. Disparu. On utilise le marteau sur elle. Le jeu est tellement réaliste en plus que ça augmente le sentiment d'oppression. Pas les amis, à chaque fois que vous me dites de courir, je vais faire un choc frontal contre elle, c'est le pire truc. Je veux savoir où elle est avant d'avancer. Attendez, les travaux, c'est la fin ou pas? C'est les travaux là-bas? J'ai juste peur qu'elle disparaisse pour arriver dans mon dos. Vous savez à quel point j'aime pas quand il y a un truc qui arrive derrière moi. On va où? Oh, faut aller là où elle est, non? On fait quoi? Vous pouvez ban fan machin. T'as rien compris, hein, mon pauvre. Je suis désolé pour toi. Hein. Je suis désolé de te dire comme ça, mais alors... Si t'en es à follow pour mettre des messages comme ça, je te fais gagner du temps, c'est vraiment pour toi, hein, parce que c'est vraiment tu vas te rendre malade et tu vas te faire du mal pour rien, vraiment, c'est le, crois-moi, hein, vraiment, en 2 ans et demi stream, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est arrête tout de suite, vraiment. Elle me pointe du doigt? Merci LC4 pour follow, bienvenue les arrivants. Je pense pas qu'on pouvait passer l'autre côté. Hein. Elle me pointait du doigt. À la fin de cette aventure, de cette sombre aventure, j'ai compris ce qu'est la véritable peur. Le chemin que j'ai emprunté pour explorer des lieux hantés et capturer des événements surnaturels avec une caméra a eu un prix lourd. La maison de la femme terrifiante, l'horreur du cadavre pris au piège sur les murs, tout cela est gravé dans ma mémoire. Alors que je fuyais l'appartement avec la clé en main, je savais que le cauchemar que j'avais laissé derrière moi n'était que le début. Ai-je vraiment échappé
ou est-ce que cette horreur me suivra pour toujours ? Cette question résonne dans les profondeurs de mon esprit, ne me laissant aucun repos. Je suis au bord de perdre la raison. Il n'y a pas d'échappatoire à cette obscurité, je ne vois qu'une seule issue. Je n'ai pas eu le temps de lire la fin. J'ai peur que, à mon avis, l'issue... Voilà, moi, c'est ça. C'est ça l'issue.